أهلا بك سيدي معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بداية سيد أيتي، على يعني أهلك أن تضعنا في صورة هذه المبادرة التي تم تنظيمها من قبل الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة في باريس الجالية، وتوضح لنا أكثر عن هذه المبادرة. Oui, avant tout, Anan, je souhaite une bonne fête de l'indépendance à tout le peuple algérien et une bonne fête pour notre jeunesse aussi, parce qu'elle est au centre du dispositif de relance de l'économie nationale dans le cadre du programme Nouvelle Algérie. Et puis, qu'est-ce qu'on est heureux d'avoir récupéré nos martyrs, même si ça date de 1840 et quelques, d'avoir récupéré nos martyrs et puis les mettre, Inch'Allah, sous terre et chez eux. Et c'est une commémoration magnifique. Cette année est exceptionnelle. Non. Par rapport à votre question, notre initiative, c'est juste quelque chose de complémentaire avec tout le travail qui se fait au niveau national. La diaspora, dorénavant, et même avant, a toujours été présente, mais sera encore plus présente, parce que notre pays traverse une crise, traverse des crises, et c'est le cas du monde entier. Nous sommes dans une situation catastrophique au niveau mondial. Notre pays a besoin de l'ensemble de sa population, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit installée à l'étranger, pour contribuer et construire à nouveau la nouvelle Algérie. Et le but de cette initiative, qui est une initiative qui a été présentée au conseil d'administration par Kamel Boussebsi, qui est un actif de la Chambre asiatique de commerce et de l'industrie, et qui est une initiative qui a été acceptée à l'unanimité, et c'est celle qu'on va produire en première mondiale à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Demain, Inch'Allah, à 15h30, heure de Paris, et 14h30, heure d'Alger. Donc on compte beaucoup sur vous tous pour sensibiliser l'ensemble des gens qui sont intéressés par ce sujet de rencontre entre les Algériens du monde. Parce que l'Algérie de demain sera dans le monde ou ne sera pas. C'est pour ça. نعم طيب سيد أيتي، على يعني ذكرت أن هذه يعني المبادرة ستضم مختلف الكفاءات الجزائرية المتواجدة بالخارج، يعني هل لك أن تحدثنا أكثر عن أهم المحاور التي ستشملها هذه المبادرة أو الملتقى؟ Déjà, son Excellence, M. Salah Lebdioui, notre ambassadeur à Paris, nous a fait l'honneur de participer à cette initiative, à cette première, ce premier webinaire qui va se transformer en chaîne Web TV, Inch'Allah, où il lance un appel à la diaspora pour se mobiliser vers son pays d'origine. La deuxième phase de ce webinaire va être une intervention d'une éminence grise de la diaspora, M. Yassine Bouhara, qui est connu mondialement, puisqu'il était le numéro 2 de la Deutsche Bank, actuellement président du groupe TEL dans le monde entier, et vice-président de la Chambre asiatique de commerce et de l'industrie en France, où il s'occupe de la partie IDE, et puis relations internationales. Il va aborder un sujet complexe, qui est le monde d'après, le monde d'après la crise sanitaire, et la position de la nouvelle Algérie dans ce monde. C'est un exposé très intéressant, puisqu'il maîtrise, Yassine maîtrise le monde au point de vue économique et au point de vue financier, et il va nous apporter sa touche. Mais c'est vrai que dans ce sujet, il n'y a pas un expert au monde ou une intelligence mondiale qui sait de quoi sera fait demain. C'est pour ça que moi j'approuve à 100% l'initiative du gouvernement, qui est de gérer dans l'action le moment, en optimisant nos dépenses, en rationalisant nos importations, en optimisant
aussi en orientant nos investissements vers des investissements productifs de devises. Et c'est ça la nouvelle Algérie. طيب السيد أيت يعلى نعم يعني كسؤال آخر وسؤال أخير يعني الجزائر تعول كثيرا على كفاءتها في الخارج كيف يمكن الاستفادة منها يعني ودوركم أنتم كغرفة جزائرية للصناعة والتجارة في فرنسا يعني لمساعدة في تفعيل وإشراك الكفاءات الجزائرية في الخارج لبناء الجزائر الجديدة. Justement, à propos de ce sujet, il y a Fouad Benguedda, qui est président de e-Profile et vice-président de la CACI France, qui va apporter le thème du Made in Algeria. Mm-hmm. Comment, dans le Made in Algeria, il y a la labellisation, il y a la normalisation, et il y a aussi la consommation par notre diaspora, qui est importante en France et dans le monde, des produits qui viennent d'Algérie. Donc l'export, la création de devises. Yasmine Seguirat mm-hmm. va aborder le sujet de mobilisation, de l'appel à la diaspora au point de vue dons, suivant l'initiative qu'elle préside, dont, à destination de l'Algérie, de la diaspora, où elle va apporter à quoi ça va servir ces dons, à quoi ça sert déjà ces dons, et, mmh. et qu'il faut encore mobiliser plus. Parce que l'Algérie va être, l'expérience sanitaire de l'Algérie dans ce domaine sanitaire, mmh. et actuellement ce domaine dirigé par une éminence grise de la diaspora qui est à la tête de la cellule de crise et de redéploiement de la santé en Algérie, professeur Zarhoni, va être d'aller aider toute l'Afrique. Mmh. Et il faut continuer à donner. Quand vous donnez à l'Algérie sur le compte national du Covid-19, non. vous donnez aussi à l'Afrique. Parce que l'Algérie va être un élément central dans le secours Choukran. Vers des pays comme mmh. le Mali, vers le Niger et essentiellement tout le Sahel. وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك.